Salut à tous, c'est Ben de Bunker Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre 29e épisode sur Assassin's Creed Valhalla PlayStation 5. Donc, on vient de se disputer avec Sigur, on doit aller affaiblir Edwin. Mais avant, je vais aller faire une petite synchro là-bas. Enfin, toi, t'es pas mort. Là, t'es mort. Il y a encore des bugs dans le jeu. Il y a beau y avoir plein de mises à jour, il y a toujours des bugs. Je remets un peu ce qu'il y a sur les corps. Ça fait toujours servir. Hop. Comme ça, c'est parti. Alors. Hop. Parfait. On continue de monter. Hop. Hop là. Si, c'est la première fois. Je fais ça alors qu'il va falloir que je passe là. Moi dans toute ma splendeur. Non mais t'es sérieux Ivo? L'accès à cet endroit est interdit. Non, ensemble blague. Juste monter en haut, synchroniser et me barrer. Allez mon. Encore. Allez. Il me pousse sur les bras. Bon. Voyons voir où nous allons. Trouver Fulk et lui parler. Aller à la grange à l'est d'Alton, dans l'ouest de l'Oxford Street, au sud de la garnison de la villa. Continuer vers le sud-ouest de vaste étang. D'un vaste étang. Ouais, ils sont mignons, mais. Aller à la grange. La villa. Là. Au sud de l'île. Continue au sud-ouest de Mouton. La grange, elle est là. Parfait. Alors, voyons voir. D'accord, c'est par là. Hop, je descends récupérer les pierres. Sauter, il y avait deux petits trucs, un petit tas. Alors, voilà. Hop, je me récupère. Hop, parfait. On va voir ce que je peux faire dans l'inventaire avec ça. Oh la vache, 300 pour améliorer les rations. C'est déprimant. Alors, ça. Je suis prêt d'améliorer mon carquois et tout ça plus tard.
hors let's play. La mission est d'aller. Ah vas-y, t'es lent le cheval. De 1 de cœur. Pas extraordinaire. Hein. Que vois-tu, Sinine? Alors. Ouais, c'est. Tu m'as pas vraiment renseigné. Je trouve que le corbeau là dans l'assassin il sert à rien, celui-là. Contrairement à d'habitude. Mon ami, préfères-tu devenir l'esclave d'Edwin et vivre sous sa botte? Car voilà ce qui t'arrivera si c'est. Voilà, Fulgur. Je l'ai. C'est pour le bien de ton comté. Tu as perdu la tête! Pourquoi ce raffut? Elle essaie de me voler. Attention, j'attends une escorte de soldats d'une minute à l'autre. Ce marchand apporte de l'équipement au château. De l'huile à faire bouillir, des flèches, des boucliers, des vivres. J'ai proposé de les acheter, mais il refuse. Je ne vends pas en échange d'une promesse de bénéfice. Edwin est une bonne cliente. Ah bon? Dans ce cas, je vais te faire une offre. Ah. Allez voir, je vais te raconter une histoire. Que dirais-tu d'une histoire en échange de tes marchandises? C'est un curieux marché, danois, mais pourquoi pas? Chante-moi une de tes sagas. Les vents vifs erraient. Les mers crachaient leur sel. La nuit s'ensommeillait. Odin le sage se leva et dit adieu, en chaussant ses bottes de cuir. Un peu lent comme début. Remue un peu tout ça. What? Bien longtemps avant le commencement, avant toi et moi et les autres. Odin le sage regarda de son unique œil diminué. Il observa, il cligna et il tonna. Cet Odin là, c'est l'un de tes dieux, c'est ça? La lune brûle d'un rouge vermeil, l'écume est dorée. Odin le sage prononce les mots. Bon, je voulais autre chose en fait. Arrête, tu veux? Le serpent se love, Loki miaule, du poison ruisselle de sa bouche. Assez, assez! C'est une malédiction du Nord. Non, non. Allez, file. Et comment ça se termine? Tout le monde meurt. Très joyeux. Qu'est-ce qu'on fait? On brûle tout? C'est il a dit que des soldats allaient venir. Ces jarres d'huile pourraient les surprendre. Cela ferait moins d'hommes pour Edwin. J'ai des visions d'hommes en feu. De soldats enflammés qui hurlent. Si l'on place l'huile et l'équipement près de la haie, le long de la route... Cela fera un feu des enfers au passage des soldats. Peut-être sympa. Monte sur cette hauteur et guette la venue des soldats. Tu m'entendras hurler quand ils approcheront. Ah bon? Ah mince alors. Prudence avant tout. Là c'est les jardins. Et je dois les mettre où? Mince. Sur la grande route à titre de piège. J'essaie de faire une belle ligne. Et c'est ça qu'il pense.
Alors, ça se trouve, je me mets sur le mauvais. C'était quoi ça? Mon hurlement. Les hommes des Dwin approchent. Ok, ils sont là-bas. Prépare-toi. Ouais, t'inquiète, je suis prêt. Sont tout prêts. Cette branche en surplomb est un bon endroit pour lancer une attaque. Allez, on approche, mes chers amis. Ils sont là. Allez, allez, on approche, on approche. Il y en a un qui va, je sens qu'il va se mettre sur le truc. Ah non, c'est juste dévié. Allez, encore un peu, encore, 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 encore. Maintenant. En train de brûler là. Ah, ça fait plaisir de les voir tous brûler. Oh, je rigole. Je vais t'embrocher. Je suis avec toi. À l'attaque. Soldat de sac. Ouf. C'est. Mets-les en pièces, Eivor. Ouf, plus de tête. Allez, c'est réglé. Ouais, il me faudrait des... Ah, elle a remonté. Parce que j'ai plus de flèches. Ah, si, j'ai... un truc avant. Ça. Oh, ça finira par brûler. Avec un peu de chance. Allez, on lui parle. Edwin attendra une aide qui ne viendra jamais. Ça ne va pas? Non. Non. Bien au contraire. À Saint-Alban, ton frère a déclaré être apparenté aux dieux. Est-ce vrai? Descendent-ils vraiment des enfants des Archontes? Les Issou? Pardon d'être brusque, Fulke, mais la moitié du temps, je ne comprends rien à ce que tu dis. Excuse-moi. J'attends souvent trop de mes auditeurs. Des gens qui craignent la damnation alors que le pire des maux est l'ignorance. L'ignorance de quoi? Quelle phrase parfaite! Je vais le dire plus simplement. Est-il possible que ton frère descende des dieux? Ou soit lui-même un dieu? Bonne question. Je n'en sais rien. J'aimerais rejeter cette idée, mais... Mais j'ai vu tant de choses. Des visions, des prophéties. C'est difficile à expliquer. Tiens toujours compte de tes visions. Tu as peut-être été touché par le vrai savoir. Sigurd n'est qu'un homme. Le fils d'un roi et mon frère. Il a peut-être une très haute opinion de lui, mais ça ne fait pas de lui un dieu. Est-il possible que sa lignée royale ait été engendrée par un dieu dans le passé? Une possibilité. Nous n'avons pas de temps à perdre en rêverie, Fulke. Il est temps que je retrouve Gedrich, afin de voir où en sont ses préparatifs d'assaut. Bonne chance, Eivor. Je vais rester ici, et prier pour les âmes des morts avant de te rejoindre. D'accord. Ok. Tu me fais très peur. Attends, je vais juste essayer de faire sauter cette dernière...
fatigue. Alors, c'est parti. Allez, s'il te plaît, merci. C'est parti. Objectif de quête. Oh mince, j'ai oublié de prendre des rations. Oh non, je suis full. Je suis full. Petite balade en campagne à cheval. Ça change des voitures. As-tu déjà porté quelques coups à Edwin? Oui, elle ne tardera pas à en ressentir les effets. Excellent. Mes hommes brûlent d'attaquer le fort. Mais ce serait folie de le faire dès maintenant. Pourquoi ça? Parce qu'Edwin a mis en place trop de pièges et de défenses. Ces espringales nous mettraient en pièces avant qu'on nous verse sur la couane de l'huile bouillante, comme une pluie de feu. Tiens tes hommes prêts. Je vais me faufiler seul et voir ce que je peux faire contre ces défenses. Partout les saints. Tu es un coriace. Donc, trouver l'objectif sur la carte. Trouver les... et affaiblir les... Ok. Donc c'est là que je dois aller. Pardon. Ah, t'es sérieux le cheval là? Allez. Non. Suive la mission s'il te plaît. Allez, allez, allez. Oh, on y est déjà? En fait, c'est ça? D'accord. Alors. Qu'est-ce que tu vois? Non, ça c'est des pierres. Beaucoup de pierres. Il doit y avoir des trucs à faire sauter. C'est là que se réfugiera Edwin. Bon, allez. À l'attaque. Ou pas? Yes. Comme ça. Si ça passe. Si ça passe par là, ça me. Hop. Thank you.
Les espringales sont de grandes arbalètes. Je dois les mettre hors d'état. Saboter. Boum, allez. Alors, ça, 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 beauté. Continuez comme ça. Ferme. Donc comme ça, je les oblige à venir. Qui est là-bas? Hey, je suis là. Coucou. Ouf, c'était magique. Ouh, oh, 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 oh. Celle-là, elle était belle aussi. Allez, 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 approche, vas-y. Approche ta tête. Voilà. Allez. Dis-moi ce que je leur ai fait.
Yes, ça fait boum. Encore pas mal de travail. M'occuper de ces chandons. J'entends le pling comme s'il y avait un truc à saboter. Il est où? Arbalète, c'est sûr. Hop, saboté. Qu'est-ce que je vais pas même pouvoir encore saboter? Ça, ça il reste suffire. Des choses à faire, c'est mais bon. Cela devrait suffire pour donner l'assaut. Maintenant, au tour de Gedrich de mener ses hommes. Allez, allez, allez. On va bien s'en sortir, Ivor. Enfin, j'espère. Et on est dans... Ah, mais là, il était là le deuxième. Tiens, on va quand même le saboter, lui, on sait jamais. De pouvoir. Hop. Alors. Allô, 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 allô. Ouh. Vas-y, je fais des coups. Rien nourrir du tout, toi tu vas rester où t'es, toi aussi. Merci. Mais t'enfuis pas, ça va bien se passer. La mort va être courte et douloureuse. Notre cher ami Vendik Gedrich, je sais pas comment on l'appelle. Mais avant, on va s'arrêter là pour cet épisode et on se retrouve très vite pour le prochain. Bon, allez, à plus.